Coca-Cola au méridien. Coke Studio Fedzaïr. En fait, c'est une plateforme Coke Studio qui existe partout dans le monde. On a fait un premier événement il y a deux semaines, Fib Jaya, on a fait Bnixila. Et Liuma, on a confirmé notre présence Fi Wahran. Tous les citoyens d'Oran, on est très très contents d'être là. On remercie tout le monde d'être là. En fait, Coke Studio, c'est une histoire. C'est un programme qui existe chez Coca depuis des années. C'est un programme qui célèbre la musique, qui célèbre les gens qui aiment la musique, parce que la musique fait partie en fait de l'ADN de l'ADN de Coca-Cola aujourd'hui et depuis des années. Donc cette année, le programme de Coke Studio Algérie, on a sélectionné de grands artistes Ma'ana qui sont connus dans la scène algérienne depuis très longtemps. On a eu la chance d'avoir Elday, on a eu la chance d'avoir Tiku Bawin pour nous accompagner. C'est de montrer et de montrer que Zahir a des talents, des talents musicaux. Donc on a fait le choix de sélectionner des petits artistes qui ne sont pas connus et de les accompagner et de montrer qu'en mélangeant les grands artistes et les petits artistes qui sont en train de monter, on peut créer des choses extraordinaires. En plus de ça, on est dans une ère, en fait, on est à l'ère du digital, on est à l'ère 2022, où le monde entier est connecté. Donc on voit autour de nous que la culture a changé, que les choses, en fait, il n'y a pas un style de musique, il n'y a pas un style vestimentaire, les jeunes d'aujourd'hui, et donc on a décidé que même la musique ou le film, ils ont mélangé les genres. Donc on a fait des mélanges qui m'ont fait un mélange un peu de flamenco avec l'électro, un mélange
mélange avec du reggae, avec tergi, l'électro aussi, la pop. Donc aujourd'hui, ça a montré que Zahir peut créer de belles choses. On a décidé de clôturer avec deux dates, une à Fibjaya et une à Fiwaren. On voulait vraiment voir les gens partout de Zahir. Ça va être la première saison et j'espère que les années prochaines, on va pouvoir refaire de belles choses et de nouvelles choses. Et on remercie tout le monde, le public, les artistes qui nous ont accompagnés, qui nous ont fait confiance, les autorités qui nous ont fait confiance. Et surtout, je voudrais remercier en fait, même notre consultant musical, Aboubakar Maatallah, qui a fait un travail extraordinaire avec nous. Merci à tout le monde, merci aux consommateurs et à tout le monde.